Je voulais taguer moi Mohamed Sanogo. Taguez moi, les Ivoiriens pensent que je ne suis pas prophète, je vais vous parler. Taguez moi Mohamed Sanogo. Pasteur Mohamed Sanogo, j'étais beaucoup critiqué, j'étais beaucoup attaqué, mais aujourd'hui où je parle, j'ai une compassion pour toi parce que Dieu m'a parlé. Pasteur Mohamed Sanogo n'a jamais attaqué le gouvernement. Pasteur Mohamed Sanogo n'a jamais insulté le gouvernement. Pasteur Mohamed Sanogo n'a jamais montré à qui que ce soit s'il supporte quelqu'un. Non, lui, il est dans son truc. Mais Pasteur Mohamed Sanogo a fait des erreurs. C'est qu'il a donné aussi des prophéties concernant ce qui va se passer au pays. Donc, comme Pasteur Mohamed Sanogo n'est pas quelqu'un qui les a vraiment dérangés, je pense qu'ils ont sûrement dit déjà à Pasteur Mohamed Sanogo, fais attention. Et s'ils ne lui ont pas dit, leurs yeux sont sur lui actuellement. Mais pourquoi ils ne vont pas pour le moment créer des problèmes à Pasteur Mohamed Sanogo? C'est parce qu'il s'appelle Mohamed Sanogo. Il ne s'appelle pas Eddie Pada. Et la manière des gens le considèrent sur le plan international en Côte d'Ivoire, ce n'est pas la même manière qu'on considère Eli Pada. Mais Pasteur Mohamed Sanogo, je suis le bishop Mercédéric Atia Normal. Je ne suis pas ton ennemi. Dieu me dit de te dire de faire très attention. Ils ont les yeux sur toi. Reprends la prière, me dit Dieu. Avant, tu pouvais prier 6 heures du temps. Tu pouvais prier une journée entière. Avant, tu pouvais prendre toute la nuit pour prier. Tu as arrêté ces choses. Dieu me dit de te dire ça. Pasteur Mohamed Sanogo. Le Seigneur me dit de te dire de reprendre ta vie de prière. Ils ont les yeux sur toi. Il y a des pasteurs, des évêques avec qui tu as commencé à t'approcher d'eux sans faire attention. Ces gens veulent t'empoisonner. Ces gens veulent te faire du mal. Ils veulent créer un problème ou un scandale contre toi pour te descendre parce qu'ils se disent que tu es hypocrite. Tu n'es pas avec eux, mais tu fais semblant d'être avec eux. Ils disent que tu es hypocrite. Tu prophétises sur le pays, mais tu fais comme si tu ne prophétises pas. Les gens ont les yeux sur toi, Mohamed Sanogo. Quand on vous parle là, c'est comme ça que j'ai parlé à Eli Pada jusqu'à il ne m'a pas écouté. Quand ça arrivait là, c'est là les gens ont dit, oh, tu avais dit, c'est tout comme ça. C'est que j'ai dit aujourd'hui, enregistrez ça, ne me demandez pas la vidéo est où est. Ne me demandez pas le jour que ça va arriver, la vidéo est où. Enregistrez. Pasteur Mohamed Sanogo, fais très attention. Mets-toi dans la prière. On t'a proposé beaucoup de choses que tu as refusées. On t'a proposé de rentrer dans beaucoup de choses que tu as refusées. Tu as dit aux gens que tu n'es pas contre eux. S'ils veulent, ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent faire. Mais toi, ta conscience ne te dit pas d'aller dans ces choses. Jusqu'à présent, tu es resté dans la prière. Même actuellement, pour affaire d'Eli Padal, tu pouvais ouvrir ta bouche pour parler. Tu pouvais ouvrir ta bouche pour parler. Mais tu ne peux pas parler. Parce que tu sais aussi que toi-même, tu es visé. Que si jamais tu ouvres ta bouche, et que tu parles, tu vas avoir des problèmes. Tout ce que je te dis, je le reçois. Pasteur Mohamed Sanogo, mets-toi dans la prière. Dieu veut que ta vie de prière reprenne. Tu n'as pas d'amis. Les collègues pasteurs qui tournent autour de toi, les gens cherchent à te tendre des pièges. Ne mange pas n'importe où. Ne va pas à des programmes bizarres. Reprends ta vie de prière que tu avais avant. Le Seigneur dit de te dire de reprendre ton premier amour. J'ai fini, je continue. Je profite de ce direct pour parler du prophète David aimé, Jérémie. Les gens disent pourquoi je ne parle pas du prophète David aimé, Jérémie. C'est parce que je ne peux pas faire les deux choses à la fois et ce n'est pas le même combat. Je suis quelqu'un de très franc. Le pasteur David aimé Jérémie, on sait où il est. Ils l'ont pris devant nous tous.
Ils l'ont pris derrière la chair. Ils l'ont déposé en prison. Nous tous là, on sait où il est. Tout ce que je peux dire. Ouais, tu prophétises, tu parles la tête voilée. Il faut monter au ciel, Kwaku Blaise. Comme tu es jaloux de mon don spirituel, monte au ciel et puis va dire à Dieu pourquoi j'ai chapeau sur ma tête et puis il me donne les révélations. J'ai tête voilée. Mes visions que j'ai, prophéties que j'ai, tu n'auras jamais ça dans ta vie. Donc, tu vas mourir avec ta jalousie bêtement. Parce que vous lisez la Bible noir sur blanc, mais vous ne connaissez rien. Tête voilée, c'est quoi qui est voilée? Tu sais pourquoi j'ai porté mon chapeau? Donc, c'est la jalousie. Et ferme ta bouche, sinon je te bloque. C'est tout. Tu mets un deuxième commentaire, tu sautes. Voilà. C'est comme ça, c'est pas compliqué. Qu'aux têtes voilées. Entre voile et puis chapeau, là, tu connais rien du tout. Hein? Moi, au moins, j'ai tête voilée, mais Dieu me montre. Toi, tu n'as pas tête voilée, tu vois rien. On continue. Donc, le prophète David, Jérémie, je ne parle pas de lui en même temps que je parle d'Élie, parce que je vais mélanger les deux combats. Lui, on l'a vu, ils l'ont pris, ils l'ont déposé à la Maca. Mais aujourd'hui, je lance un appel pour dire aux gens, ceux qui peuvent aller, qui sont habillés, qui peuvent aller le soutenir, je demande aux gens de penser à lui. Je ne peux pas demander à ce qu'on fasse une cagnotte pour lui. Je ne peux pas demander. Parce que j'ai déjà demandé à ce qu'on fasse une cagnotte pour l'avocat, pour Élie Pada. Donc, si quelqu'un peut prendre l'initiative pour le pasteur Jérémie, on le soutiendra. Mais nous compatissons, nous sommes avec lui, mais on sait où il est. Or, pour Élie Pada, là, on ne veut pas qu'on dise aux gens où il est. Et on sait que sa vie est en jeu, que si on ne fait pas de bruit, on ne parle pas. Ce qu'il veut faire, c'est de tuer le monsieur. Or, pour pasteur Jérémie, là, ils sont venus le prendre directement devant nous. Ok? Merci. Sinon, où je suis assis, c'est là, je ne suis pas à l'église. Hein. Ceux qui parlent de tête voilée prophétisent là. Qui t'a dit que je veux prophétiser? Je ne suis pas à l'église. Je suis assis chez moi à la maison, habillé zènement. Je suis sorti, je suis rentré. Et puis, j'ai porté mes bijoux tranquilles, ma chevalière. Ça, ça coûte presque 5000 euros. Ça, c'est mon alliance. Ça coûte plus de 3000 euros. Celui qui veut, là, quand il dit c'est fétiche. Celui qui veut, quand il dit que... Donc, où je suis là? Je n'ai rien à cacher à quelqu'un, je reproche rien. Même si demain, il prend fétiche, je vais vous dire que j'ai pris fétiche. Qui va me faire quoi? Je mange chez quelqu'un. Donc, où je suis assis là? Je ne suis pas à l'église. Vos évêques qui prêchent à une casquette, qui prêchent à un chapeau pointu, là, il faut aller les parler là-bas. Moi, je suis assis chez moi à la maison. Voilà mon verre d'eau. Voilà mon chocolat. Je ne suis pas en train de prophétiser dans l'église. Donc, je porte mon chapeau où je veux, quand je veux et où je veux. Si Dieu m'a mis le chapeau là, puis vient me donner une révélation, c'est qu'il est d'accord avec moi. Ferme ton beau cœur. Allez, je continue. Tête voilée. Quand tu lis Bible, depuis là, Dieu a fait quoi avec toi? C'est même pas chasser moustique. Donc, le prophète Jérémie, je vous demande de penser à lui dans vos prières, je vous demande de le soutenir, de voir si vous faites les affiches pour, comment il s'appelle, pour les affiches que vous faites pour le prophète Élie Pada, vous pouvez mettre la photo aussi du prophète Jérémie à côté. Mais je ne peux pas lutter dans les deux camps, c'est impossible. Déjà, pour Élie Pada, même l'effort que je fais là, je ne dors pas. Depuis matin, je me suis levé, j'ai pris un café. Je viens m'asseoir là. Hein? Je viens m'asseoir. Regardez, je n'ai pas mangé. Donc, dans l'amusement, là, avant direct, là, c'est chocolat que j'ai pris. Attends, je prends un autre encore. Ça là, c'est à la noix coco. Chocolat à la noix coco. Ça là, j'aime ça, c'est à la noix coco. Hein? Ça veut que mon organisme peut se maintenir pour que je puisse continuer de parler. Mmh. Mmh. Ouais, c'est bon. Mmh.